petit lys d'amour. C'était le surnom de Juliano Verbar, un surnom qu'il tenait du ciel, de la Vierge Marie en personne, qui lui apparaissait tous les 8 du mois dans les feuilles de son cocotier. Sur l'île de la Réunion, où se côtoient dans la tolérance toutes les religions et tous les cultes, ces élucubrations auraient pu rester folkloriques. Mais cet illuminé de 20 ans a entraîné des centaines de personnes, des adeptes, auxquels il a fait croire à son innocence. Car Juliano Verbar aimait les enfants, les petits garçons. Pour le protéger, les membres de la secte ont tout essayé. Avec des méthodes dignes du grand banditisme, ils l'ont caché, transporté de planque en planque et même organisé son évasion par les voies du ciel, bien sûr. Cirque de Mafat, l'un des joyaux de l'île de la Réunion. Ce site grandiose, le pilote Yann Morvan le connaît très bien. Il le survole chaque jour ou presque, à bord de son Alouette 3. Le 27 avril 2009, trois couples ont réservé des places à bord de son hélicoptère. Ils veulent aller à Rivière des Galets, à côté de Saint-Denis de la Réunion. Mais quand le pilote les accueille, il a une première surprise. On m'avait annoncé 6 personnes et ils m'ont informé à ce moment-là qu'il ne serait que 3 puisque leur femme avait peur de prendre l'hélico et avait préféré rentrer à pied. Le pilote place un passager entre lui et son mécanicien, tandis que les deux autres randonneurs s'installent à l'arrière. Je croise un autre hélicoptère d'une autre société, je prends un contact radio avec eux. Et à partir du moment où la communication coupe, là je me retourne et je vois mon mécanicien en train de se débattre avec le passager de devant qui avait sorti une arme blanche. J'ai pas forcément compris ce qui se passait. Et au moment où j'ai voulu passer un contact radio à l'hélicoptère que j'avais eu précédemment, il m'a arraché mon casque. Et là, la personne qui était derrière moi m'a mis un coup de crosse avec une arme à feu sur la tempe, ce qui m'a fait perdre très brièvement connaissance. L'hélicoptère pique du nez dans le cirque de Mafat. Et quelques secondes après, au moment où j'ai repris mes esprits, je me suis retrouvé face à une falaise et j'ai réussi à rattraper l'hélicoptère au dernier moment. Je leur ai demandé tous de se calmer, c'était très violent. Yann Morvan et son mécanicien sont pris en otage par des hommes déterminés mais totalement flous sur leurs intentions. J'avais une arme blanche et une arme à feu sur la nuque et sous la gorge. Mon collègue, le mécanicien, avait une arme pointée sur la tempe en permanence. Le pirate de l'air jouait en permanence avec la détente du pistolet sur sa tempe. Et le troisième derrière nous a sorti une bouteille qui contenait de l'essence et qui nous l'a versée sur la tête une partie. Et il s'est mis à jouer avec son briquet. Et à ce moment-là, on a juste affaire avec trois hommes qui sont dans un état second, qu'ils ne parlent que de mort, de mourir, de brûler vif dans l'hélicoptère et que rien ne leur fait peur, la mort ne leur fait pas peur. C'est exactement les mots qui ont été employés. Nous n'avons pas peur de mourir. Plus cette essence, plus la violence verbale et physique, tout fait penser à des kamikazes presque. Les preneurs d'otages n'ont toujours rien dit de leur objectif au pilote qui maintient le cap initial, Saint-Denis. Yann Morvan imagine le pire. Ils veulent peut-être cracher l'hélicoptère sur un bâtiment public de la ville de Saint-Denis. Donc avec tous les éléments que j'ai, je prends la décision de cracher l'hélicoptère dans une ligne haute tension. Le pilote se prépare à mourir. Oui. Et tuer mon mécanicien également. Excusez-moi. Quelques secondes avant de heurter les câbles, là il m'annonce que c'est pour aller sur la prison de Sainte-Marie. Donc, dernier moment, je change ma trajectoire. Yann Morvan évite in extremis les câbles à haute tension.
direction la prison d'Ominjou. Les preneurs d'otages préviennent alors leurs complices par portable. Ils arrivent dans 5 à 10 minutes. Et ils ordonnent au pilote d'effectuer un vol rasant vers la prison. Ils enlèvent tout leur grimage, c'est-à-dire casquette, bandana, lunettes, tout ce qu'ils avaient mis pour ne pas se faire reconnaître. Là, on voit leur visage et ils s'équipent avec des cagoules, des gilets commando et ils sortent une échelle de corde. L'Alouette 3 s'approche de la prison. Yann Morvan descend dans une cour. Elle est vide. Ce n'est pas la bonne. Je me prends un coup dans la nuque. Je pense que c'est avec l'arme à feu. Je franchis un autre mur d'enceinte. Et là, je suis dans la cour qui est relativement petite, étroite. Avec beaucoup de monde, tout le monde affolé. Ils ouvrent la porte latérale. Ils descendent une échelle de corde qui s'avère trop courte. Ils me demandent encore de descendre dans le mur d'enceinte. Je leur dis qu'on ne peut pas descendre plus, on va toucher, c'est trop étroit. Malgré tout, ils insistent, donc je descends. Les pales du rotor sifflent tellement elles passent près des murs d'enceinte. Je ne vois pas grand-chose, vous savez, mon seul souci, c'est ne pas toucher et surtout garder la position de l'appareil. Donc la première personne embarque, une deuxième personne embarque, et une troisième personne embarque. Il s'accroche à la porte s'arrache à moitié. Enfin, il est rattrapé de justesse avant qu'il tombe dans la cour et il me demande de décoller en urgence. En moins d'une minute, l'évasion est un succès. Trois hommes ont quitté la prison d'Ominjou. L'hélico reprend l'air avec 8 personnes à son bord. Ils se congratulaient, se serraient dans les bras et je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose absolument pour... Parce qu'on a vu leur visage, ils n'ont parlé que de mort, ils ont laissé des traces partout, des empreintes partout, il y a de l'essence. Qu'est-ce qui va se passer après ? Le pilote tente alors une manœuvre extrêmement dangereuse et surtout très impressionnante pour effrayer ses ravisseurs. Je décide de couper la turbine de l'hélicoptère et de simuler un crash. Ça s'appelle faire une autorotation, c'est-à-dire que le rotor principal ne tourne plus avec le moteur, mais il ne tourne que grâce au vent relatif. Par contre, on tombe très vite. Et là, c'était une chute verticale d'à peu près 300 mètres. On tombe comme une enclume, quoi. Yann Morvan réussit son coup. Il pose brusquement l'Alouette 3 sur le talus d'une zone industrielle de Saint-Denis. Les ravisseurs et les fugitifs détalent, tous sauf un. Je me suis retourné et là j'ai vu le pirate du milieu se tourner vers moi. J'ai cru qu'il avait évacué, il ne l'avait pas fait encore. Pointer son arme sur ma tempe. Yann Morvan sent que l'homme va l'exécuter. Il était tellement paniqué qu'il n'avait pas enlevé sa ceinture. Je lui ai défait. Il a évacué l'hélicoptère et il a rejoint ses camarades dans la camionnette. Les 6 hommes prennent la fuite dans une camionnette blanche, manifestement en liaison téléphonique avec l'hélicoptère. Lieutenant-colonel Gojkovic, à l'époque, vous êtes à la section de recherche de Saint-Denis de la Réunion. Est-ce que ce sont des grands voyous qui se sont évadés ? Nous avons une évasion spectaculaire, mais ce ne sont pas de grands voyous. Ce sont 3 personnes qui s'évadent. Gino Verbar, le gourou d'un mouvement sectaire qui a 27 ans, son amant, Michel Fabrice, qui a 25 ans, et le père de ce dernier, Jusmi Michel, qui a 51 ans. Et pourquoi ils sont en prison ? Ce sont des criminels. Ils ont été condamnés pour des viols sur mineurs. Et vous les connaissez, les membres du commando ? Au moment de l'évasion, on ne connaît pas précisément les membres du commando. Néanmoins, nous avons tout l'organigramme de ce mouvement sectaire. Qui s'appelle le cœur... Immaculé et douloureux de Marie, dont le gourou est Juliano Verbar. Ce gourou en question, Juliano Verbar, il a une telle influence sur ses adeptes qu'il arrive à leur faire prendre des risques pareils ? Oui, Juliano Verbar a une emprise réelle, psychologique, sur ses adeptes. Ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Tout ce qu'il dit doit être exécuté.
Visiblement, donc, cette évasion était bien préparée. Et elle sortait d'où, cette camionnette blanche qui a récupéré les fugitifs dès que l'hélicoptère s'est posé? La camionnette blanche, effectivement, a été louée et payée en cash par l'un des membres du commando. Toutes les forces de police et de gendarmerie de La Réunion sont donc mobilisées pour retrouver les trois fugitifs. Les Michel, père et fils, et leur chef, leur gourou, Juliano Verbar. Un homme qui fait parler de lui depuis 7 ans, depuis septembre 2002. L'affaire commence dans un cocotier. Ce cocotier, c'est celui qui se dresse dans le jardin de Juliano Verbar. L'arbre n'a rien de spécial, à ceci près qu'il reçoit régulièrement la visite d'une très haute personnalité. Une femme qui a choisi ses branchages pour parler à Juliano. Le 8 de chaque mois, la Vierge lui apparaît et s'adresse à lui en l'appelant « mon petit lys d'amour », d'où son surnom, le petit lys d'amour. Ce soir encore, je vous bénis. Petits enfants, agenouillez-vous et baissez la tête. Car votre papa du ciel vous bénit. Et je me joins à lui. Ces visites miraculeuses, Juliano Verbar les a signalées à l'église. En septembre 2002, il a demandé audience à l'évêque de La Réunion. Du haut de ses 20 ans, ce garçon très pieux a expliqué avec un sourire d'ange à Monseigneur Aubry que l'église faisait fausse route. Ah, c'était lui le chef. C'était lui le chef. Il se présente, lui, comme la référence et comme le sauveur de l'Église qui est à La Réunion. Ce statut de sauveur, Juliano Verbar le tient de la Vierge. Elle se confie à lui en français. Elle lui a même annoncé qu'il était le nouvel élu sur Terre. Des dizaines de croyants le suivent au sein de son association Cœur douloureux et immaculé de Marie. Et là, il avait déjà commencé à faire un groupe de prière qui organisait des processions, mais tout le monde était habillé de noir. Et la rumeur circulait comme quoi il y avait des apparitions. Donc, moi, je suis resté sur la réserve. J'ai dit surtout, pas de publicité, vous restez entre vous. Mais Juliano Verbar n'a pas suivi les conseils de l'évêque. Il a continué à célébrer des messes chez lui à Savannah. Ces célébrations ont fini par attirer l'attention de la presse. Le cocotier et ses mystérieuses apparitions s'est retrouvé au journal télévisé. Ça a fait une publicité et là ça a pris de l'importance. Il y a des cars qui sont venus, des pèlerinages qui ont commencé à s'organiser. Dès lors, la foule ne cesse de grossir autour de Petit Lys d'amour, dont les cérémonies rassemblent plus de 300 personnes. Ils pensent que Jésus était avec nous, que Marie aussi était avec nous ce soir. Vous l'avez vu là, Marie? Non, on ne l'a pas vu, mais on a confiance, on a la foi. Avec le cœur, on voit, mais pas avec les yeux. Si on regarde seulement avec les yeux, nous sommes incrédules et on ne connaît rien. L'évêque s'intéresse alors plus sérieusement à ce groupe de prière. D'autant que certains participants rapportent qu'ils ont vu la statue de la Vierge suintée de l'huile. Et on voyait déjà qu'il y avait de la manipulation. Et j'ai pris position dans la presse en accentuant cette dimension de déviance et de risque de secte. Et j'ai dit stop quoi. Très inquiet, l'évêque en parle aussi à la justice, qui ne peut pas intervenir. Personne ne s'est plaint de Petit Lys d'amour. Et à La Réunion,
Les groupes de prière sont légion. La Réunion, c'est une île avec de multiples religions, où les chrétiens sont côtoient les Tamouls, les hindous, les musulmans, les chinois. Donc c'est vrai que la religion est quelque chose d'important à La Réunion. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir un regard bienveillant vis-à-vis de la religion. Les mises en garde publiques de l'évêque restent donc lettres mortes. Quand 9 mois plus tard, Giuliano Verbar fait à nouveau la une de la presse. Cette fois, ce n'est pas dans la rubrique « Miracle », mais dans celle des faits divers. La trésorière de son groupe de prière vient de pousser la porte de la gendarmerie. Août de 2003, c'est la première plainte contre Giuliano Verbar qui est déposée par une dame qui fait partie de ce groupe de prière, de ce groupe religieux, et qui dit « Mes deux enfants, l'un âgé de 12 ans, a été violé par Giuliano Verbar. Le petit frère, âgé de 9 ans, a été agressé sexuellement. » Un viol et une agression sexuelle, avec une stratégie assez simple. Pour approcher les enfants, Verbar prétendait parfaire leur éducation religieuse. Celui qui était choisi devenait son enfant de cœur privilégié. Il les valorisait d'abord en disant « Voilà, tu as été choisi parmi tous les enfants de la secte, tous les enfants de la Réunion pour être l'élu. La Vierge m'a dit que tu allais me succéder. » C'est comme ça que Giuliano Verbar s'est retrouvé seul avec les deux frères. Selon l'aîné, Verbar aurait abusé de lui au moins 5 fois en 3 mois. Le petit frère, lui, raconte que Verbar lui a touché les fesses et le sexe à 3 reprises en lui demandant de ne rien dire. Leur mère n'a rien vu, elle avait une confiance aveugle en Giuliano, le messager de Marie, ce prophète qui avait trouvé les mots justes dans les épreuves qu'elle traversait. Il y a eu un moment très difficile dans sa vie. Une de ses enfants, elle a 5 enfants, une fille très malade, d'une maladie auto-immune. Son fils aîné avait fait un don de moelle osseuse. Et c'est dans ces circonstances-là qu'elle rencontre M. Verbar et qu'elle, voilà, elle se laisse embrigader. Et surtout abusée par un prédicateur dont la perversité se dissimule derrière un visage juvénile. On ne peut pas parler, on ne peut pas réfléchir parce qu'il y a la pression de Verbar avec toutes ces manipulations diaboliques. C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige tout et on est vraiment robotisé, quoi. On exécute sans comprendre. C'est pas un illuminé, je pense qu'il est très intelligent. Il sait ce qu'il fait et je pense qu'il sait... Sans dire mot, il sait dominer les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde en a peur. Les adultes, et à plus forte raison les enfants, dont Verbar a muselé la parole sans difficulté. Ils avaient très très peur. Faut dire aussi qu'ils étaient tout le temps menacés. S'ils parlaient, la foudre allait s'abattre sur eux. Leurs parents allaient mourir, enfin voilà. Ce que racontait Verbar pour les faire taire. La psychologue qui examine les enfants conclut qu'ils sont crédibles. Le confident de Marie est poursuivi pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Il est placé en détention provisoire. Il encourt 20 ans de prison. Derrière les barreaux, l'élu ne cède rien à la justice des hommes. Petit lys d'amour nie tout en bloc. Il traite les enfants de menteurs et leur mère de traîtres. Tout cela n'est qu'un complot. Une position que les membres du groupe de prière adoptent aussitôt. Ce que dit Verbar, c'est ce que dit la Vierge. Donc, c'est quasiment un ordre. Ça ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un de contredire ce que pouvait dire Verbar.
Julien Overbach, c'est un messie, c'est le messager de Marie. Il ne peut pas commettre la moindre infraction, la moindre mauvaise action. C'est pas possible. À chaque fois qu'il y a des accusations lancées à l'encontre de Julien Overbach, c'est un complot. C'est pas vrai, c'est pas possible. Du coup, la résistance s'organise, bien orchestrée par Verbar, depuis sa prison. Il y a une cabale contre cette femme. Il y a des tas de gens qui écrivent au juge d'instruction pour dire que c'est elle la mauvaise femme, que soi-disant elle avait la main mise en fait sur Verbar, qu'elle dirigeait tout, qu'elle aurait pris de l'argent. Et c'est même allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a eu des plaintes pour viol contre son mari. Les gendarmes vérifient. Le père des enfants n'a jamais violé personne. Les plaintes sont rejetées. Et voilà à quel point les adeptes étaient prêts à aller très très loin pour protéger Verbar. Mais les parents des deux garçons ne cèdent pas à ces pressions. Ils maintiennent leurs plaintes contre Petit Lys d'amour. Maître Normand, vous serez l'avocat de Julien Overbach. Comment se passe sa détention ? Sa détention, elle se passe évidemment pas bien, mais il est totalement réfractaire à tout à cette époque-là. Il n'a qu'une seule obsession, c'est démontrer son innocence. On verra que, c'était pas gagné. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était de sortir et de convaincre tout le monde que c'est un complot, tout ça parce qu'il s'oppose à l'Église, tout simplement, et que c'est un nouveau gourou, un nouveau messie, appelez ça comme vous voulez, mais qu'il a un contact direct avec les cieux. Il est homosexuel, est-ce qu'il le dit clairement ? Oh, pas du tout. Il l'est, oui, là, il l'est, je peux vous l'assurer, à cette époque-là. Il est avec celui qu'on a appelé son amant, Fabrice Michel, mais c'est un peu caché, tout ça, oui. Il a tenté de s'évader à plusieurs reprises, comment il s'y est pris ? Il a été, tout simplement, il a dit qu'il était très malade, c'est un bon comédien, et Fabrice Michel, semble-t-il, avait prévu des limes pour qu'il puisse s'évader. Ça a fait long feu. Il a prétendu à un moment donné qu'il avait été violé en détention. Oui. Il invente des choses, il invente qu'il se fait violer, il invente des tas de trucs et pour essayer de s'évader, pour essayer d'aller dans un hôpital. Enfin bon, bref, tout ça, on a vu que c'était pas très sérieux. Et c'est lui qui avait pris l'initiative de ces tentatives d'évasion ou elles lui avaient été soufflées par les membres de sa secte ? À l'époque, lui, il est prétendu le nouveau gourou, le nouveau messie, donc évidemment qu'on veut le faire évader. Mais il ne lui reproche pas grand-chose à l'époque. Il y a une information qui est viol ouverte. Viol de deux enfants, quand même. Il y a une information qui est ouverte. Mais à l'époque, viol de deux enfants, madame, les parents sont trésoriers de l'association. Donc il est facile d'organiser une défense en disant tout ça, c'est faux. Ça ne l'était pas. Hein. On le saura plus tard. C'est finalement un juge qui va permettre à Verbar de sortir de prison. Le 6 août 2004, un an presque jour pour jour après son placement en détention provisoire, Verbar est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il devra donc comparaître libre à son procès. Un procès qui se tient deux ans plus tard, le 23 octobre 2006. Julien Overbach doit répondre de ses actes devant la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion. Il n'est pas là. Donc le box est vide et les victimes n'ont personne face à elles. Absent de son procès, Verbar est condamné par défaut à 15 ans de prison. La cour d'assises délivre un mandat d'arrêt contre lui. À partir de là, Julien Overbach est dans la cavale la plus totale. Julien Overbach est fiché comme dangereux. Mais ce mandat d'arrêt ne déclenche pas de recherche particulière. La seule chance qu'on ait, c'est qu'on tombe dessus. C'est qu'il y a un contrôle de police ou de gendarmerie. Disons que c'est pas la priorité numéro un à ce moment-là de la police et de la gendarmerie réunionnaise. On a d'autres chats à fouetter. On se dit, mais c'est qu'une île, hein. On l'interpellera. Oui, c'est qu'une île. Sauf qu'il s'en passe des choses. Aucune trace de Julien Overbach. Quand 6 mois plus tard, en avril 2007,
Verbar revient lui-même dans le collimateur de la justice. Le gourou a récidivé. Cette fois-ci, c'est une assistante sociale qui a alerté la gendarmerie pour un enfant de 12 ans, Mathias. Il lui a confié qu'il a été victime de maltraitance. Mathias est entendu, raconte les faits. Il s'avère que Mathias, ses parents sont dans le groupe. Et ce que révèle Mathias, ce sont des actes de torture et de barbarie. Comme dans la première affaire, Giuliano Verbar avait désigné l'enfant comme son successeur. C'était l'élu. Mais le gourou n'a pas supporté le comportement déviant de son petit protégé. Il avait une copine à l'école. Verbar ne supportait pas qu'il ait une copine à l'école. La secte ne supportait pas qu'un garçon qui était promis à la succession de Giuliano Verbar ne soit pas entièrement dévoué à Giuliano Verbar. Il a subi de véritables supplices. On le frappe, on le gifle, on lui donne... On, mais c'est une dizaine de personnes. On lui donne des coups de poing, des coups de pied, on le frappe avec des serviettes chaudes. Et on va jusqu'à le mettre au-dessus d'une flamme, d'une gazinière, et ce on qui le brûle au niveau des pieds et au niveau des fesses, c'est Fabrice Michel, qui n'a pas peur de la violence, et le propre père de Mathias. L'enfant explique aussi aux gendarmes qu'il a subi des violences sexuelles. Il y a eu non seulement des actes de barbarie, mais il y a eu des viols, quoi. Mais des viols, voilà. Pas très facile, je ne les raconterai pas. Même moi, enquêteur, je ne peux pas le raconter, quoi. Viol de la part de Giuliano, puis de la part de Fabrice Michel, les deux en même temps. Et puis, mon grand frère, quelques années de plus, mais à peine, était également mineur, a également été victime de la part de Giuliano et de Fabrice Michel de viol. Une nouvelle information judiciaire est ouverte pour viol et violence en réunion. Cette fois-ci, plus de temps à perdre, il faut mettre la main sur Giuliano Verbar. On a la preuve maintenant que pendant qu'il est en cavale, il continue à sévir, à nuire, à faire du mal. Donc on ouvre une information pour recel de malfaiteurs. Cette information a pour but d'essayer de trouver et d'interpeller le maximum de gens qui interviennent pour aider matériellement, financièrement, Giuliano Verbar dans sa planque. Les gendarmes travaillent d'arrache-pied. Giuliano Verbar et son amant Fabrice Michel sont traqués sur toute l'île. Mais Petit Lys d'Amour peut encore compter sur le soutien de ses adeptes. On peut tenir une cavale si on a un réseau logistique assez important. Et on comprend très rapidement qu'il y a tout un groupe proche de Giuliano Verbar qui vont avoir pour mission de le cacher. Pour neutraliser ses soutiens, la juge multiplie les interpellations et les placements en garde à vue. Professeurs, facteurs, étudiants, retraités. Le problème a beau être très grave, ses adeptes, des gens bien insérés dans la société et au casier judiciaire vierge, ne lâchent rien. Ces personnes n'ont, quel que soit leur âge, 15 ans à 80 ans, n'ont aucune distance par rapport à Giuliano Verbar. Pour eux, tout est bidon. Les viols n'ont jamais existé, c'est faux, on en veut à Giuliano. C'était nous les méchants, en fin de compte. Lui, c'était vraiment un dieu spirituel et qu'il fallait le défendre, quoi qu'il arrivait. On a gardé des... Moi, j'ai été assez surprise. J'avais des jeunes femmes toutes frêles et toutes fébriles. Je les ai eues 48 heures en garde à vue. Elles n'ont rien décroché, quoi. Je veux dire, et pourtant, on a eu des longues discussions et rien à faire. Elles ont vraiment idolâtré Verbar jusqu'au bout. Et les fidèles de Verbar brille d'ingéniosité.
Moi qui ai travaillé sur des affaires assez importantes, des affaires criminelles en région parisienne, j'ai découvert petit à petit que M. Verbar avait des proches, avait un noyau dur, qui était quand même assez perfectionné dans la filature, puisqu'à chaque fois qu'on les suivait, ils faisaient des doubles tours dans les ronds-points. Ils s'arrêtaient, ils repartaient, et vraiment on avait du mal à les suivre jusqu'au bout. Ils étaient très bien organisés. Ils ne servent jamais de leur téléphone personnel, ils changent de téléphone pratiquement toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Ils se servent de téléphone de cabine publique. Ils sont quand même allés chercher des personnes handicapées mentales pour utiliser leur identité et mettre des téléphones à leur nom et les utiliser. Ils cloisonnent tout. Ils ont bien compris qu'à partir du moment où ils cloisonnaient, il y avait peu de chances de remonter jusqu'à Giuliano. Quant aux perquisitions, elles ne donnent rien de plus. Dans une maison, il y avait un talus à l'arrière. Ils avaient aménagé une cage dans le talus. Dans d'autres maisons, ils avaient creusé un trou sous l'escalier. Il y avait une cage avec tout ce qu'il fallait pour dormir. Un escroc fait ça. Ça ne lui pose pas de difficultés. Un mec du grand banditisme fait ça aussi. Ça ne lui pose pas de difficultés. Là, ils font ça au nom de la foi. De cache en cache, de faux numéros de téléphone en fausse adresse, Giuliano Verbar et ses adeptes se rient de la justice. Pendant 9 mois. Évaporé. Le gourou ne fait plus parler de lui jusqu'au 9 juillet 2007, quand un enfant disparaît. Freedom. On va accueillir les auditeurs. On voit déjà sur le standard. Merci madame. J'écoute Radio Freedom, comme la plupart des journalistes dans la rédaction, parce que c'est une radio où les gens appellent régulièrement pour raconter tout ce qui se passe dans l'île. Et là, il y a une maman qui téléphone, un peu paniquée, et qui explique que son fils de 12 ans a disparu. Elle donne pas trop d'éléments. Ça paraît un peu mystérieux, cette histoire. Alexandre Telaïr est arrivé récemment à La Réunion avec ses parents et son petit frère. C'est un enfant très croyant. Alexandre, c'est un petit garçon de 12 ans qui est docile, gentil, enfin pas de soucis particuliers de petite délinquance ou quoi que ce soit. Hein. Il est bien au sein de sa famille, il s'entend bien avec sa maman, avec son papa. Aucun souci particulier. C'est d'autant plus inquiétant de le voir disparaître comme ça. La mère d'Alexandre raconte à la journaliste qu'elle avait remarqué des phénomènes bizarres ces derniers temps. Quelques jours avant, du safran et des taches de sang ont été découverts autour de la maison. Parce qu'à La Réunion, il y a beaucoup de rites, de sorcellerie, empreintes de diverses religions. Et ce genre de choses, le safran, les taches de sang, ça veut dire que quelqu'un vous veut du mal. Malgré les recherches, Alexandre reste introuvable. Jusqu'au lendemain, vers 14h, l'enfant se présente lui-même à la gendarmerie de Sainte-Suzanne, sain et sauf. Dominique, qu'est-ce qui est arrivé en définitive à Alexandre ? Il va le raconter aux gendarmes, hein, qui vont l'entendre, qui vont prendre son audition. Donc on rappelle qu'il a 12 ans. Hein. Il vit un peu chez ses parents, mais surtout chez un oncle et chez une tante. Et c'est chez eux qu'il a fait la connaissance d'un garçon qui s'appelle Guillaume Maillot et qui a 20 ans. Et Alexandre dit aux gendarmes, j'aime bien être avec lui car il m'explique tout un tas de trucs que je dois apprendre. Il est dans la religion comme moi. Et puis, il raconte que ce soir du 9 juillet 2007, soir de sa disparition, hein, vers 18h45, il a reçu sur son téléphone portable un coup de fil de Guillaume Maillot qui lui a dit « Je suis devant la maison de ta tante, sors, j'ai une petite médaille à te donner. » Donc, Alexandre est sorti. Il est arrivé vers Guillaume Maillot.
qui était dans une voiture avec trois autres hommes. Et le gamin dit aux gendarmes, ils m'ont un peu obligé à monter en voiture avec eux et à les suivre. Cette voiture part vers une maison qui se trouve tout près de Sainte-Suzanne. Ils vont dîner tous ensemble. Alexandre raconte que Guillaume Maillot est rentré chez lui après le dîner. Il s'est retrouvé tout seul dans cette maison avec ces gens qu'il ne connaissait pas. Il a dormi là-bas. Le lendemain matin, on l'a mis dans une voiture et on l'a ramené, on l'a abandonné près d'une gendarmerie. Mais surtout, il explique qu'on ne lui a fait aucun mal. On s'est très bien tenu avec lui. Évidemment, les gendarmes interpellent aussitôt ce Guillaume Maillot. Et c'est qui Alors, Guillaume Maillot, il est interpellé. Le lendemain, il est placé en garde à vue. Donc, il a 20 ans. Il vit chez ses parents. Il est très pieux, très croyant. Il rêve de devenir prêtre. Et évidemment, quand les gendarmes lui disent pourquoi il est ici, il nie toute implication dans l'enlèvement d'Alexandre. Et à la 26e heure de garde à vue, il craque. Il craque et il dit aux gendarmes, bon, allez, je vais vous dire la vérité. Et il confirme la version d'Alexandre. Ça s'est passé exactement comme l'a raconté Alexandre. Ils l'ont emmené dans cette maison. Il a dîné avec eux. Ils l'ont libéré ensuite. Le projet, c'était d'inviter Alexandre à une réunion de prière. Pourquoi ? Parce que on recherche l'élu. L'élu, celui qui va pouvoir prêcher à la place de Giuliano Verbard, puisque Verbard, lui, il est en cavale, on ne sait pas où il est. 3 août 2007, Saint-Denis de la Réunion, un mois après l'enlèvement d'Alexandre. Vers les 18-19 heures, la maman d'Alexandre m'appelle en pleurs, hurlant au téléphone. Et elle me dit, Madame Sécard, Alexandre s'est fait enlever et cette fois c'est grave. La maman d'Alexandre raconte qu'elle était chez elle à Saint-Denis en compagnie de sa mère. Elles attendaient le retour des enfants, Alexandre et Corentin. Quand tout à coup, débarquent dans l'appartement 5 individus, cagoulés, gantés, violents, qui disent « Oui, Alexandre, oui, Alexandre, on veut Alexandre ». Comme il n'est pas là, ils s'aperçoivent qu'il n'est pas là. Ils ligotent, bâillonnent la maman et la grand-mère et attendent le retour de l'enfant. Soudain, Madame Telaïr entend ses fils et leur oncle entrer dans le couloir. Mais elle est prisonnière dans une chambre et ne peut pas crier pour les alerter. Les individus cagoulés ouvrent la porte de l'appartement, s'emparent violemment d'Alexandre. Et là, il est ligoté, bâillonné et placé dans le coffre d'une voiture qui s'enfuit. Aussitôt, l'alerte est lancée sur les ondes de la radio locale. Ils ont été agressés, ils ont enlevé Alexandre. J'ai entendu crier, appeler la police. Donc il y a 4 personnes cagoulées qui sont entrées dans la maison. Ils ont enlevé le petit Alexandre. Et donc on fait appel à la générosité de tous les auditeurs pour retrouver Alexandre. Pour moi, ça peut être que Verbard. Ils ont recommencé. La secte est certainement autour de cette affaire, impliquée dans cette affaire. Moi, je savais que si on laissait trop longtemps Alexandre, il allait se passer quelque chose. Là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Première urgence, boucler l'île, les ports, l'aéroport. Il faut empêcher Verbard de prendre la fuite. L'intégralité des forces de l'ordre du département de la Réunion, que ce soit police, que ce soit gendarmerie, s'est intégralement mis sur la recherche de cet enfant. Pour la première fois à La Réunion, le préfet déclenche le plan alerte-enlèvement. Le jeune garçon est âgé de 12 ans, il mesure près d'1,50 m. Toute information susceptible de faire avancer les recherches doit être signalée à la police ou à la gendarmerie. Minute par minute, à la radio, les gens téléphonent pour dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils pensent savoir. Les forces de police sont débordées. Radio Freedom ne lâche plus l'affaire. Le moindre élément nouveau passe à l'antenne. À commencer par le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture dans laquelle Alexandre a été enlevé. Et là, déjà, un auditeur se signale en direct comme étant à l'arrière du dit véhicule.
Et il demande tout simplement en direct, que dois-je faire et éventuellement est-ce que je dois percuter le véhicule. Fort heureusement, l'animateur a la présence d'esprit de lui dire de ne pas le faire, ce qu'il ne fait pas. Le conducteur perd de vue la voiture blanche. Mais un autre auditeur a du nouveau. Il vient de croiser les ravisseurs. Vous avez vu la voiture avant, juste avant, il prend feu. Et c'est une voiture noire pour le relais. Ce nouveau témoin a vu les kidnappeurs mettre le feu à la voiture blanche avant de monter à bord d'un 4x4 noir et de disparaître. Les policiers retrouvent la voiture blanche calcinée et remontent vite son propriétaire. Grâce à l'immatriculation, on établit déjà qu'il avait été loué par une femme qui faisait partie de la secte. Moins de 2 heures après l'enlèvement, les policiers interpellent cette femme. Elle a 65 ans et pas de casier judiciaire. Mais quand les policiers lui demandent comment sa voiture s'est retrouvée entre les mains des ravisseurs d'Alexandre, elle a une réponse stupéfiante. Je l'ai laissé sur un parking avec les clés sur le contact. J'ignore qui l'a récupéré. C'est quand même une femme assez âgée qui avait un gros aplomb et qui n'en démordait pas. Et quand les policiers lui demandent pourquoi elle a loué cette voiture, elle répond « Je ne sais pas ». Les policiers comprennent qu'ils n'en tireront rien. Alors qu'il y a urgence. Le gamin a disparu depuis déjà 6 heures. Le mois d'août, c'est le mois de la Vierge Marie. On redoute parce qu'on pense à tout, au pire et notamment peut-être un événement de l'ordre sacrificiel. Toute la nuit, des réunionnais inquiets pour Alexandre se succèdent sur les ondes. Toute la réunion entière a des enfants et ça fait un peu froid au dos quand même tout ça, hein. Ça m'a touché, j'ai même versé des larmes parce que je suis père et j'ai 2 enfants, c'est horrible. Vraiment, j'ai les larmes qui coulent. Une véritable psychose s'installe sur l'île de la Réunion. On ne parle que de l'enlèvement d'Alexandre, on ne parle que de Julien Auverbach. Les mamans appellent leur marmaille en disant « Ne reste pas dans la cour parce que sinon, Julien Auverbach va venir t'enlever et te violer. » Le lendemain matin, l'évêque de la Réunion tente de raisonner les adeptes de Julien Auverbach. Je demande aux catholiques qui auraient des indices sur les caches de Julien Auverbach ou qui sauraient où il se trouve de communiquer leurs informations à la gendarmerie ou à la police. Vous ne pouvez pas le cacher. Et toi, Giuliano, maintenant, ça suffit. Cesse de faire le mal, rends-toi à la justice pour pouvoir reprendre un bon chemin ensuite. 24 heures après l'enlèvement d'Alexandre, la police et la gendarmerie n'ont toujours aucune piste pour le retrouver. Quand la locataire de la voiture blanche, toujours en garde à vue, se décide enfin à lâcher quelque chose. Elle finira par nous dire qu'elle a loué ce véhicule pour le compte d'une autre personne. Il s'agit de Jean-Charles Dalton. Jean-Charles Dalton, un homme de 25 ans. La police fonce l'arrêter, lui et sa femme. Le couple est sans emploi, inconnu des services judiciaires. Mais tous les deux sont des membres importants du cœur douloureux et immaculé de Marie. Et c'est Jean-Charles Dalton qui craque le premier. On comprend très vite qu'il faisait partie de l'opération Commando. Les policiers ont enfin l'un des 5 ravisseurs d'Alexandre entre les mains. Il est prêt à montrer aux policiers une planque où Verbar et ses complices cachent peut-être l'enfant. De nuit, on repère cet endroit et on se rend bien compte que tout le groupe a passé un temps là. Et l'herbe était encore couchée, donc oui, on l'a raté de peu.
les policiers comprennent que Jean-Charles Dalton les mène en bateau. Ils reprennent donc son interrogatoire une dizaine d'heures jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et lâche enfin, j'ai entendu Fabrice parler à quelqu'un au téléphone. Je suis sûr qu'il a parlé de petit tampon. Le petit tampon au sud de l'île. Dalton connaît une maison là-bas que des membres de la secte fréquentaient. Une case au portail métallique. Après 40 heures de traque, les enquêteurs ont le début d'une piste pour remonter jusqu'au ravisseur d'Alexandre. Un portail dans le quartier du Petit Tampon. Autant dire, une aiguille dans une botte de foin. D'autant que Jean-Charles Dalton a déjà essayé de les balader. Mais tant pis, même si l'indice est mince, il faut tenter le coup. Surveillance aérienne ou encore barrage routier, grâce à l'important dispositif de recherche mis en place aux quatre coins de l'île, les enquêteurs tiennent actuellement deux pistes très sérieuses. Les Réunionnais qui suivent la recherche d'Alexandre comme un feuilleton continuent à appeler Radio Freedom pour signaler le moindre événement. Toute la nuit, les hélicoptères n'ont pas arrêté de tourner, quoi. Je pense que les gens sont sur le terrain et qu'ils travaillent comme des dingues. Tout était en direct. Toutes les opérations de police et de gendarmerie passaient en direct, avec des commentateurs. Donc forcément, ils avaient une information. Mais du coup, nous aussi, on en avait une. On savait qu'ils écoutaient. Alors du coup, on s'est mis en mode silencieux, je dirais en mode sous-marin. On a pris le contre-pied du système. Les policiers profitent d'une opération banale de la gendarmerie pour détourner l'attention. Pendant que l'hélico des gendarmes survole la côte ouest, ils foncent discrètement par l'est vers le petit tampon avec Jean-Charles Dalton. Mais sur place, ils sont vite déçus. Il va nous trimballer dans le petit tampon, des allées-venues, il va hésiter, montrer une case, en montrer une autre. Tout ça, c'était pour offrir la possibilité à ses complices de prendre la fuite. Du coup, les policiers continuent leur recherche dans le petit tampon sans quitter Dalton des yeux, persuadés que le gars va parler à son corps défendant. Progressivement, en passant sur certains points, on sent qu'il a un comportement différent, une respiration différente, une parole saccadée. Mais on le comprend progressivement que c'est peut-être là le point de tension. D'hésitation en hésitation, Dalton finit par marquer le pas devant une maison au portail métallique. Le commandant du GIPN décide d'y faire un premier repérage. Je relève le numéro d'un monospace et ce véhicule était déjà signalé dans le dossier. Je dis tout de suite au commandant Houtebon, chef du GPN, écoutez, là, on n'a plus le temps, c'est maintenant, voilà. Et pour le binôme d'assaut, là, les hommes du GIPN s'équipent. Boucliers, gilets pare-balles, fusils d'assaut. L'opération peut être risquée. Personne ne sait jusqu'où les adeptes de Verbar sont prêts à aller. Et il faut préserver la vie d'un enfant de 12 ans. On fait une colonne d'assaut avec en tête un binôme effraction qui va être chargé d'ouvrir la porte d'entrée. On progresse vers la maison. Il y a des cris. Les gens courent de partout, ça hurle de partout. Les collègues qui partent à gauche, à droite, moi-même j'en interpelle deux. Allez, ça n'est pas là. Dans la maison, la charge est assourdissante. Les policiers maîtrisent deux fidèles de Verbar. Et puis là, ils nous disent, il est dans le pavillon d'à côté, un pavillon mitoyen. Je vois que les hommes du GPN et mes enquêteurs également franchissent des clôtures, courent et vont vers une deuxième maison. On se réarticule.
Et on découvre Alexandre prostré dans cette pièce très, très, très obscure. L'enfant est sain et sauf. Il me dit que ça va. Et la première chose que je fais, j'appelle sa mère. J'appelle sa mère et je dis, ben voilà, madame, nous avons retrouvé votre fils et je vais vous le passer. Donc la maman parle avec son fils. C'est comme ça que ça se passe. Et j'entends bien dans la maison, quand je lui annonce les choses, l'émotion, les cris, la famille, voilà, c'est une grande joie, c'est une délivrance. Alexandre est retrouvé. Mais pas Juliano Verbar. Du coup, le GIPN écume le quartier. On trouve Verbart caché sous un véhicule, en fait. Donc on l'extrait de sous un véhicule. Hein. Il a l'air calme. C'est comme si, pour lui, quelque chose s'était révélé, presque de biblique. Ainsi avait-il été trahi, peut-être par Judas. Lui se retrouvait arrêté, peut-être par des Romains, des soldats. Il donnait l'impression de vivre une scène biblique. Donc il était serein. Voilà, il était dans son jardin des Oliviers. L'arrestation du petit Lys d'amour fait aussitôt la une. Il y a quelqu'un qui a couru sur la route et il était sous le 4x4 avec une femme avec lui. Et aussitôt, ben, les gendarmes sont venus, ils l'ont menotté. Tout le monde a l'adresse. Ben, les Réunionnais, ils sont comme ça, hein. Ils sortent de chez eux, ils y vont. Ils veulent voir ce qui se passe. Il y en a beaucoup de monde. Tous les gens veulent vraiment attraper le petit Lys d'amour. La foule veut qu'on lui donne Verbar. Le petit Lys d'amour, mais ça, ce sont des gens qu'il faut prendre. Ça. Après des mois de cavale et 48 heures de traque intense, Juliano Verbar et son amant sont enfin arrêtés. Et cet autre fidèle sont placés en garde à vue. Maître Collard, vous êtes l'avocat d'Alexandre Telaïr et de sa famille. Qu'est-il arrivé à cet enfant? Qu'est-ce qu'il raconte? Ce qu'il a vécu, c'est un enlèvement. Une intrusion violente chez lui, des gens qui s'emparent de lui comme d'un paquet. Il crie, il a peur, il est cagoulé, donc il est plongé dans la nuit. Il ne faut quand même pas l'oublier, parce que ce n'est pas rien de ne plus rien voir. Il est précipité dans un véhicule, puis dans le coffre d'un autre véhicule, donc deux fois la nuit de la cagoule, la nuit du coffre, et il se retrouve dans une maison inconnue, séquestré, jeté sur un matelas de fortune, pas nourri, menacé. Il a peur pour sa famille et il est complètement perdu parce qu'on l'a enlevé. Voilà. A-t-il subi des violences physiques? Ce qu'il a le plus marqué, c'est qu'on a parlé fort, on a crié sur lui. Et ça, il l'a vécu comme une maltraitance, comme une violence. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu de faire de lui? Il était l'incarnation d'une nouvelle divinité. Voilà. Alors, il fallait, à mon avis, le sacrifier. Hein. C'était un sacrifice rituel. Qu'est-ce qui les intéressait tant chez Alexandre? Pourquoi il avait été choisi? Il avait tous les signes de l'enfant élu. C'était l'élu, en quelque sorte. Puis il était lui-même très croyant. Il est profondément croyant, mais chrétien. Hein. Ils ont vu, dans l'expression de cette foi, le moyen peut-être de la détourner au profit de leur propre croyance délirante. Les gendarmes font enfin face à Juliano Verbar, cet homme qu'ils recherchaient depuis près de 9 mois. On n'a pas envie forcément de le traiter de criminel quand on le voit comme ça. C'est quelqu'un qui est quand même très jeune, c'est quelqu'un qui est très doux. Il paraît très sensible comme ça. Doux, sensible, mais aussi dissimulateur et manipulateur. J'ai eu deux Juliano Verbar en face de moi. Il y avait celui qui était dans mon bureau seul avec son avocat.
donc prostré sur son siège, pleurnichant même à plusieurs moments, me regardant par en dessous et me disant « Moi-même, j'ai été violée quand j'étais enfant. J'ai d'abord été violée par mon grand frère, alcoolique, puis par la suite par un prêtre. » Et puis, il y a eu l'autre Juliano Verba, celui que j'avais lorsque je l'ai mis en présence de plusieurs membres de son groupe de prière. Et là, c'était plus du tout le petit Juliano Verba que j'avais en face de moi. C'était quelqu'un qui se relevait, qui avait un charisme extraordinaire. Là, j'avais en face de moi Monseigneur Verbar. Mystique, Verbar l'est depuis son plus jeune âge. Son père, un tamoul, était un prêtre hindou qui avait des dons de guérisseur. Sa mère, elle, était catholique. La famille vivait dans une telle pauvreté que c'est la grand-mère maternelle, très croyante, qui s'est occupée de Juliano. Tous les dimanches, elle amène le petit Juliano à la messe et naturellement, il devient enfant de cœur. Et on raconte qu'il jouait au curé. Il faisait la messe à ses petits camarades. Au catéchisme, on voyait déjà que c'était un leader. Voilà. C'est très tôt, il a un petit peu sorti du lot. À Savannah, la grand-mère de Juliano était très fière de lui. Elle l'a encouragé dans sa foi. Sa grand-mère a cru déceler chez cet enfant un élu. Un élu, un futur messie. Et donc là, élevé dans cette croyance-là, et a tout fait ensuite pour que Juliano Verbar soit considéré par les autres comme un élu. Verbar a suivi une scolarité normale jusqu'à la fac. Il s'est inscrit en espagnol tout en préparant son séminaire. Il fréquentait à un moment donné l'aumônerie de l'université. Il était toujours habillé en noir et ça paraissait étrange. Et le responsable du service diocésain des vocations s'était rendu compte que vraiment c'était étrange du point de vue psychologique et du comportement. Donc on a dit non. L'église lui ferme les portes du séminaire. Verbar est recalé. Pour ce croyant enflammé, c'est une immense déception. Mais Verbar se relève. Il prend une année sabbatique pour voyager en Espagne et en Italie. Il rencontre une voyante prénommée Déborah qui possède une vierge qui suinte de l'huile. Et lui revient d'Italie à La Réunion avec sa vierge qui suinte également de l'huile. La vierge qui a d'autres surprises pour Verbar puisqu'elle lui apparaît maintenant dans son jardin en haut du cocotier. Verbar crée alors son groupe de prière. Il prône la messe en latin et pour mieux suivre les préceptes de Marie, il ordonne à ses adeptes de se signer d'une nouvelle manière. Il a été demandé désormais dans une paroisse qu'on fasse le signe de la croix de cette façon. Verbar ne reconnaît pas l'autorité de l'évêque et rompt avec l'église catholique de La Réunion. Mais 2 ans plus tard, le petit Lys d'Amour connaît l'honneur suprême. Il devient évêque. Évêque d'une autre église, celle de l'ordre de Saint-Charbel. Dominique, alors c'est quoi cet ordre ? Comment il fonctionne ? Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, Frédéric, les gendarmes ont fait ce schéma géant grâce à un logiciel qui s'appelle Anacrim, où on voit les différents personnages et puis les connexions entre les uns et les autres. Alors, cet ordre, il a été fondé par un homme qui s'appelle William Cam, qui est un Australien, qui se fait surnommer Little Pebble, ça veut dire le petit caillou. Et c'est un ordre qui fonctionne essentiellement sur le net et qui revendique 500 000 adeptes. Saint-Charbel, c'est un prêtre maronite qui a été reconnu par l'Église catholique, mais pas l'ordre de Saint-Charbel, pour plusieurs raisons, et essentiellement parce que William Cam prône la polygamie. Et il était condamné 2 fois pour abus sexuels sur des mineurs. Le 13 de chaque mois, William Cam rencontre la Vierge. Et elle lui a donné une mission,
Cette mission, c'est de repeupler la Terre après le chaos. Donc il doit épouser 12 reines et 72 princesses et leur faire des enfants. Tout un programme. Ensuite, il y a le groupe de la Réunion. Donc le groupe qui est dirigé par Giuliano Verbar. Et William Cam donne des surnoms à Verbar. Il l'appelle « Mon petit prophète »,« Petit Abraham du Nouvel Âge », »,« Petit soldat de l'espérance et de la vérité de la Réunion », »,« Petit pinceau d'amour », c'est joli, ou encore, plus simplement, « Mon disciple bien-aimé ». Et comment Verbar est-il rentré en contact avec eux ? Par l'intermédiaire d'elle, Corinne Michel, qui est la sœur de Fabrice Michel, amant de Verbar. Alors elle fait partie de l'ordre déjà. Elle en fait tellement partie qu'elle est l'une des 12 reines qui a épousé William Cam. Et c'est comme ça que vont se connaître, entrer en contact, Verbar et Cam. Et ça tombe juste au moment où l'Église catholique à laquelle souhaitait appartenir Verbar le rejette. Et donc, le 28 juillet 2006, William Cam lui ouvre les bras. Il est nommé évêque de la Réunion, de l'ordre de Saint-Charbel. Mais pour lui, c'est un rêve qui se réalise. Maître Normand, votre client est de nouveau sous les verrous. Il est examiné par des psychiatres et des psychologues. Et qu'est-ce qu'ils disent de lui ? Ah, il y a un psychiatre très intéressant qui s'appelle M. Tchoulfayan, qui montrait que Verbar avait conscience finalement de beaucoup de choses, mais qu'il était pris dans un conflit de loyauté vis-à-vis des gens qui le vénéraient. Lui-même, tout seul, avec moi, avec vous, il nie quasiment rien. C'est quelqu'un qui reconnaît les choses, qui essaie d'assumer, qui n'a pas du tout l'apparence, un jeune gars d'abord, de quelqu'un d'illuminé. Mais dès qu'il est en présence des gens qui le vénèrent, le regard des autres, cette idée qu'ont les autres de lui, il s'y soumet et il devient un autre. Le Monseigneur Verbar. Justement, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises et comment il se comportait avec vous ? Il faut savoir qu'il est très tranquille, il est préoccupé par sa situation judiciaire. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Vous diriez que c'est un illuminé ? Un mystique ? C'est quoi ? Ça a été un mystique, mais il a pris conscience qu'il avait pu être manipulé et que ce qu'il entendait, ce qu'il pensait, on lui a dit, les gens de l'ordre de Saint-Charbel, lui a dit non, c'est pas toi, c'est pas ta réflexion, c'est que tu as un lien direct. Et il y a cru. Les apparitions de la Vierge, il les reconnaît ou... Pas du tout. Moi, à un moment, soi-disant, tous les 8 du mois, il avait des apparitions. Je lui dis, mais écoutez, si vous avez vraiment des apparitions, il va falloir continuer à en avoir. Même en prison, vous pouvez en avoir aussi. Écrivez, dans ce cas-là, tout ce que vous dit la Vierge. Ça a duré 2-3 lettres. Je lui ai dit, vous foutez de moi ou quoi ? Il m'a dit oui. Et pourquoi il a été élu comme ça, si je puis dire ? Bah parce qu'il était très féru de religion, mystique, il avait une apparence très gracile et qu'il a plu à des gens qui eux-mêmes voulaient que cette secte s'installe à La Réunion. Et ils ont fait des prêches et manifestement, Giuliano Verbar avait une façon de faire des prêches qui plaisait. C'est la star et puis on fait un peu d'argent avec lui. Et donc c'était l'élu de certaines personnes qui le manipulaient. Et lui, pour son plus grand confort, puisqu'il en vivait tranquille, sans avoir besoin de faire des études, de travailler, et qu'en plus, on lui servait des gamins à domicile. Donc, c'est mon désir était exaucé. Oui, puisque de toute façon, c'est le seul qui avait le lien direct avec la Vierge Marie. Vous pouvez refuser quelque chose, ou à quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Sinon, tout s'abat sur vous. Donc, en effet, après, il en a joué. Totalement, oui. Cette fois, Giuliano Verbar n'échappe pas à la cour d'assises. Il est d'abord rejugé pour la première affaire de pédophilie, le viol et l'agression sexuelle des deux frères membres de son groupe de prière. Comme lors du procès par défaut, il prend 15 ans la même peine. Petit Lys d'amour doit aussi comparaître pour le viol et les actes de barbarie commis sur Mathias, ainsi que pour l'enlèvement d'Alexandre. Mais ses adeptes ne désarment toujours pas. Grève de la faim, manifestation, ils pourfendent cette justice qui s'acharne à tort sur leur évêque. Ils vont même aller plus loin pour sauver leur gourou. Le 27 avril 2009, encore une fois, c'est à la radio que les choses se passent. Je dirige vers
un panneau et c'est bizarre parce que l'hélicoptère roule assez bas et on dirait qu'il va se poser sur la route. J'ai une frayeur, j'ai jamais vu un hélicoptère rouler aussi bas, quoi. Je viens de passer juste en dessous de l'hélicoptère. Hein. Je suis en camion et apparemment, ça a bougé vraiment le camion, il est très bas. L'hélicoptère qu'ont remarqué les auditeurs se pose en catastrophe sur le talus d'une zone industrielle de Saint-Denis. À son bord, les trois évadés de la prison d'Omingeau. Julien Auverbach, Fabrice Michel, son amant, et le père de celui-ci, Alexin. Les trois hommes prennent la fuite dans un fourgon blanc avec leurs trois complices qui ont détourné l'hélicoptère. Julien Auverbach, c'est le détenu le plus dangereux de l'île et il est ce soir en cavale. Le petit lys d'amour, comme on le surnomme, s'est fait la belle ce lundi matin de la prison de Domingeau avec deux autres détenus. Le plan Papang est déclenché. Toutes les sorties de l'île sont bouclées. Une fois encore, la police et la gendarmerie sont aux trousses de Verbar et de ses fidèles. Ce qu'il faut faire, c'est maintenant recouper les renseignements, recouper les informations pour, dans un moindre délai, remettre la main sur ces individus. Les policiers passent l'hélicoptère au peigne fin et très vite, ils connaissent l'identité des preneurs d'otages. Il y a un sac à dos dans lequel il y a la carte d'identité de Jean-René Jeance. Jean-René Jeance faisait partie des proches de Juliano. Jean-René Jeance. Un fidèle de Verbar, et 9 mois avant l'évasion, il menaçait de se mettre en grève de la faim devant les caméras. Si les autorités compétentes ne font rien pour améliorer la situation, c'est que notre tour, on va se mettre en grève de la faim. Il était facteur, il était marié, il venait d'avoir un bébé. Jean-René Jeance, c'était quelqu'un qui avait une vie ordinaire, quelconque, un tout petit bonhomme, tout maigrichon. Mais pour lui, Julien Auverbach, c'était le Messie et il était prêt à tout, y compris à se supprimer, à supprimer sa vie. Yann Morvan, le pilote d'hélicoptère, est convoqué à la gendarmerie où il reconnaît Jean-René Jeance en photo. L'homme était bien dans l'appareil. Il désigne aussi Rodolphe Cadet, c'était le passager avant. C'est aussi un membre du groupe de Verbar, mais lui, il n'est pas inconnu de la justice réunionnaise. Cadet Rodolphe, à plusieurs reprises, a voulu se faire emprisonner. La première fois, il est venu à la gendarmerie en disant que c'était lui qui, en fait, était l'instigateur, l'organisateur de l'enlèvement d'Alexandre. Je le place en garde à vue, je lui fais poser des questions, les réponses qu'il donne sont complètement pas du tout en adéquation avec ce que nous avons constaté. Donc, je le fais remettre en liberté. Et là, il est dépité. Donc finalement, il va taguer la prison du port pour essayer effectivement d'aller en prison. Ça ne suffit pas. Et donc à ce moment-là, il va braquer, pseudo-braquage d'un petit commerce pour enfin se retrouver dans la même prison que Julien Auverbach. Le pilote reconnaît aussi l'homme sur la troisième photo qu'on lui présente. Guillaume Maillot, le futur prêtre, déjà impliqué dans le premier rapt d'Alexandre. Ces trois hommes, Rodolphe Cadet, Guillaume Maillot, Jean-René Jeance, viennent donc de libérer leur gourou en un temps record, moins d'une minute. Maître Normand, comment avez-vous appris l'évasion de votre client ? Ah bah alors là, j'étais en métropole. À cette époque-là. Donc, j'étais chez des gens, on m'a dit, dis-moi, il y a des tas de trucs à la radio et à la télé, là, c'est pas quelqu'un dont tu t'occupes, ça ? J'ai tout de suite, et oui. Il vous en avait parlé ? Pas du tout, mais j'ai sans doute été un peu manipulé. Le fait que je parte en métropole, la secte elle-même savait très bien que pendant 10 jours, 15 jours, il y avait une fenêtre, puisqu'il n'y avait aucune convocation, semble-t-il, devant un juge d'instruction. Donc, c'était là ou jamais. Donc, finalement, je leur ai servi un peu. L'évasion est parfaitement réussie, parfaitement organisée. Ah oui. Et c'est vraiment des méthodes de grands voyous, quand même.
Ah bah, en tout cas, de grands voyous qui font pas de victimes, hein, parce que... Donc, ils ont organisé ça de main de maître, en menaçant le pilote avec des pétoirs, quand même, hein, pas des vraies armes. Hein. Ils l'ont arrosé d'essence, quand même. Oui, oui. C'est ce qui se dit. En avril 2009, au lendemain de cette évasion, vous avez déclaré, je vous cite, « Je les préfère dehors que dedans », comme si, en fait, vous souteniez cette cavale. Ça, c'est de la provocation pour un journaliste. Et ça a marché, la preuve, on en parle aujourd'hui. Donc, non. Et en général, mes clients, je les préfère dehors que dedans. C'est le rôle, quand même, d'un pénaliste, c'est de sortir les gars de tôle. Donc, c'était d'une manière générale que je le dis. C'est pas « je préfère la secte dehors que dedans ». Mais peu importe, c'était une provocation qui a parfaitement marché. En attendant, cette évasion, elle complique quand même votre tâche. Parce que votre client passe désormais pour un voyou dangereux. Alors, elle complique surtout l'avenir judiciaire de Giuliano Verbard. Donc, elle complique ma tâche. Oui, elle a un grand avantage, c'est qu'elle augmente la notoriété de ce dossier. Et donc, la vanité d'un avocat, j'en suis ravi. Lieutenant-colonel Gojkovic, qui est le cerveau de ce commando? Est-ce que c'est Giuliano Verbard depuis sa prison? Le gourou, Giuliano Verbard, indéniablement, de toute façon, est le chef de ce mouvement sectaire. C'est lui qui met la pression sur ses adeptes pour qu'on le fasse évader. Il met la pression en envoyant des courriers désespérés, jusqu'à 70 courriers sur une adepte. Il met la pression au parloir en transmettant des petits mots codés où il demande à tout prix à ce qu'on l'évade de cette maison d'arrêt. Encore une fois, Verbard et ses acolytes sont donc en cavale. Comment comptez-vous leur remettre la main dessus? Une cavale, ça coûte de l'argent. Ça nécessite des complicités. Je mets donc en œuvre, avec mes hommes, une stratégie d'enquête de la terre brûlée. Nous allons systématiquement perquisitionner les domiciles des adeptes, entendre en audition simple ou en garde à vue les adeptes. Le but, c'est de couper un point de repli dans cette cavale et c'est de faire tomber éventuellement des complicités afin de les pousser à la faute pour les capturer. Et qu'est-ce qu'ils disent en garde à vue, ces adeptes? Les adeptes en garde à vue ne disent rien. Certains ne déclinent même pas leur identité. Une adepte, en 96 heures de garde à vue, répondra plus de 500 fois à nos questions, je ne dirai rien. Donc comment c'était organisé? Tout est cloisonné, même au sein d'une même famille. Donc chacun a une petite mission chacun très particulière. Chacun a une petite mission, chacun est un rouage de ce projet global d'évasion de Giuliano Verbard. Alors quel est le profil de ces adeptes? Ce sont des gens crédules, des simplets si l'on peut dire ou... Non, pas réellement, puisque nous avons des professeurs à la retraite, des employés, des mères au foyer, des enfants, un petit peu monsieur et madame tout le monde. Vous avez pu en savoir un peu plus, justement, sur le fonctionnement de cette secte? C'est pas une secte financière, c'est plus une secte apocalyptique, au sens où les adeptes mettent au pot commun leur salaire, lorsqu'ils en ont. Ils vivent de la vente d'objets de piété. Ils s'enrichissent pas réellement. On est plus un mouvement sectaire qui s'isole, où les adeptes se mettent en rupture de la société, en rupture de leur propre famille, et vivent en vase clos. Et Verbard, il s'est enrichi, lui? Il a des biens, une maison, une voiture? Les adeptes subviennent aux besoins de Verbard, mais Verbard en tant que tel ne s'est pas réellement enrichi. À Sainte-Marie, les portraits des trois évadés et ceux de leurs complices sont distribués à une soixantaine de militaires. Ils sont chargés cet après-midi de quadriller les hauts de la commune. Quelqu'un? Non, c'est personne. Non. Là, on est dans les photos. Et voir la télé, juste. La télé, oui. Mais c'est de l'heure, non? Non. Soit il est parti tout de suite, mais immédiatement après l'évasion, et il est déjà très loin, ou alors il se terre dans une cache. On a le sentiment que finalement, Giuliano Verbard, il peut rester dans la nature comme ça, indéfiniment, sans qu'on le retrouve. Mais après plus de 7 jours de recoupement téléphonique, de croisements bancaires et de quelques interrogatoires, les gendarmes ciblent une maison dans le nord-est de l'île. Elle appartient à un membre du groupe de prière de Verbard. L'homme est interpellé, placé en garde à vue, sa maison perquisitionnée. Et cette fois, la pêche est bonne. On a trouvé de très nombreux vivres. Donc, on pense, de façon assez formelle, que au
au niveau de l'organisation de l'évasion, il était prévu, à un moment ou un autre, de se retirer dans ce lieu-là. Le locataire ne veut pas s'expliquer. Les gendarmes remontent alors la ligne téléphonique qui lui a permis de louer cette maison. Elle appartient à une personne handicapée qui raconte « Il y a un mois, en échange de 5 euros, elle a prêté sa carte d'identité à une fidèle de Verbar. » Et en étudiant tous les appels passés depuis le téléphone de cette maison, les gendarmes remontent jusqu'à un studio loué en plein centre de Saint-Denis. L'appartement est immédiatement placé sous surveillance et après une journée de guet, ça sent bon. Une femme sort du studio. On se rend compte qu'elle a un comportement complètement anormal, met beaucoup de temps pour décliner son identité. Elle veut pas, alors qu'on lui demande gentiment, nous emmener à son appartement. Bizarre. Le capitaine Ledorf décide alors de forcer l'entrée de l'appartement avec les hommes du peloton d'intervention. Et face à eux, Verbar et ses deux complices évadés. Ils ont réagi avec surprise, angoisse, et se sont tous acculés dans le coin gauche de la pièce, les uns sur les autres, les yeux grands ouverts, ne sachant pas ce qui allait se passer exactement. La cavale du gourou Juliano Verbar, ses deux compagnons d'infortune et le commando qui les a aidés à se faire la belle s'arrête ici, rue de Bourgogne, à Moufia. Arrestation sans violence, sans coup de feu. Juliano Verbar n'aurait jamais quitté Saint-Denis depuis son évasion spectaculaire par hélicoptère de la prison de Domingo. Cette fois, le ciel ne l'a pas aidé. Petit Lys d'amour, le confident de la Vierge, regagne la prison. Maître Normand, Juliano Verbar doit être jugé pour l'affaire Mathias, hein, c'est-à-dire viol, acte de barbarie et de torture, un procès à huis clos. Qu'est-ce que vous comptez dire pour sa défense ? Vous arrivez à ce procès, il a déjà été condamné pour un premier procès de viol, déjà. Et depuis, il s'est quand même passé un double enlèvement d'enfants et une évasion par hélicoptère. Donc vous arrivez, là, à défendre quelqu'un avec tout ce background-là que connaissent évidemment les jurés réunionnais, évidemment. Donc, l'objectif, le seul que j'avais, c'était de demander, ce qu'on ne fait pas souvent, à la cour d'assises, une confusion des peines. Je leur ai dit, mettez ce que vous voulez, de toute façon, le maxi c'est 20, j'en ai rien à faire, mais je veux une confusion avec la précédente. Il n'a pas voulu assister à son procès. Non, mais c'est ça l'aveu. Il n'a pas voulu assister à son procès parce qu'il savait qu'il était coupable et il ne voulait pas affronter le regard de ses minots. Et la seule chose que j'ai demandé à Juliano Verbar et Fabrice Michel, c'est de monter, quand même comme des hommes, assumer le verdict. De monter devant les jurés quand ils prononceront le verdict. Ils ont accepté. Quel est le verdict dans l'affaire Mathias ? Il prend 18 ans de réclusion criminelle et obtient une confusion de peine. Reste son procès pour le double enlèvement d'Alexandre. Quel est votre objectif à ce procès ? L'objectif, c'est qu'il ne paye pas pour tout le monde. Parce que le double enlèvement, Mme Lantieri, il n'en avait absolument aucun intérêt, Verbar. Il l'a pas demandé. Il était tranquille depuis 8 mois en cavale. On n'arrivait pas à le choper depuis qu'il ne s'était pas présenté à la cour d'assises. Et en plus, on lui avait apporté encore des jeunes gamins. Ça. Il n'avait aucun intérêt à sortir du bois. C'était une souricière pour lui. Totalement une souricière. Simplement, la secte, à un moment, vous êtes gentil, on va lui dire, on va pas te nourrir et faire tout ça. Nous, on a besoin, eux, ils y croient. Ils ont une foi. Et ils ont eu besoin de remplacer Verbar, ou en tout cas de trouver un autre pseudo-élu. Pourquoi il était jeune, quand même, Verbar? Il n'avait pas besoin d'un héritier. Mais c'est pas qu'il avait besoin d'un héritier, c'est qu'il pouvait plus prêcher en public, puisqu'il était en cavale. Verbar n'avait aucun intérêt à cette souricière. Mais Juliano Verbar, c'est un mec de 24 ans, assez fragile, assez gracile, menteur sûrement, manipulateur sûrement, mais qui était aussi peut-être sous l'influence de son amant, comme on a dit. Et donc, il fallait jouer le rôle que le camp qui vous protège, la famille qui vous abrite, vous demande de jouer. À vous entendre, Verbar, en fait,
ce sont les autres qui ont fait ce qu'il est devenu. J'ai toujours dit qu'on l'a fait roi. Il a assumé ce rôle de roi et il en paye les conséquences. Lui, il voulait pas être roi. Je crois pas qu'il voulait être roi. Verba retrouve une fois de plus la cour d'assises, celle de Saint-Denis de la Réunion, le 6 avril 2011, pour l'enlèvement d'Alexandre. Policiers, GIPN, Giuliano Verbar et ses adeptes sont sous haute surveillance. Escortés par une quinzaine de fonctionnaires de police, ils arrivent à la cour d'assises où le dispositif de surveillance a été renforcé. Aux côtés de Giuliano Verbar et de Fabrice Michel, son amant, 17 adeptes du Petit Lys d'Amour sont jugés pour l'enlèvement et la séquestration en bande organisée d'Alexandre. On voit des vieilles dames avec des cheveux gris, un facteur, un chauffeur de bus. Donc c'est vrai qu'on se dit que ça ressemble plus à un club de famille qu'à des ravisseurs ou plus tard des évadés. Les frères Dalton sont pas bien loin des personnages de la bande dessinée bien connue. Hein. C'est vraiment des gens qui n'ont pas un esprit très lumineux, qui sont un petit peu des exécutants, qui font les choses sans trop se poser de questions. Monsieur Michel, on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'empreintes. Et monsieur Michel, bah, il a pris des gants MAPA, des gants pour faire la vaisselle. Mais où ont-ils trouvé les ressources nécessaires pour organiser le rapt d'Alexandre et ensuite l'évasion de Giuliano? Pour leurs avocats, la réponse est simple. C'est toute la force de persuasion du gourou Giuliano Verbar. Au vu de cette emprise psychologique, les psychiatres ont conclu à une altération de leur discernement, donc ce que l'on retrouve dans des mouvements sectaires. Guillaume Maillot, qui se destinait à la prêtrise et qui est loin d'être un imbécile, est l'exemple même de cet aveuglement. Sa foi l'a perdue. C'est-à-dire qu'il croit en Dieu, mais que cette croyance va se transformer en mysticisme, puis en aveuglement. Il est croyant, du statut de croyant, il passe à celui d'adepte, et de celui d'adepte, il va passer à celui de recruteur, et en droit, il passe du statut de victime, victime de la secte, à celui d'auteur. Maître Collard, la défense veut faire de ce procès celui de la secte. C'est elle qui aurait agi pour Verbar et lui n'aurait jamais demandé l'enlèvement d'Alexandre. Ça n'a pas tenu à l'audience. Hein. Parce que, à trop vouloir sauver quelqu'un, on finit par démontrer que ce quelqu'un est le patron. Et je crois que la maladresse de la défense, ça a été de vouloir à tout prix dédouaner le patron de la secte. Quoi. On s'est rendu compte là que c'était vraiment lui qui commandait. Mais justement, pour vous, ce sont des criminels qui comparaissent ou alors ce sont des gens qui ont leur discernement un peu altéré parce qu'ils appartiennent à une secte? Certains sont partis, d'autres sont restés. Bon, donc, ça prouve bien que le libre arbitre, on peut à un moment donné le faire fonctionner. Hein. Et ceux qui sont restés dans une perspective criminelle. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont irresponsables. Comment Alexandre appréhende-t-il ce procès? Jusqu'au moment de l'audience, il avait peur. Il ne voulait même pas assister au procès. Où il avait... Non, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut que tu leur montres que tu es plus fort qu'eux maintenant. Que c'est toi le maître. Qu'ils n'ont pas gagné. Si tu n'y vas pas, si tu ne témoignes pas, ils auront le sentiment qu'ils continuent à te manipuler. Et il a accepté d'y aller. Et que comptez-vous faire entendre aux jurés? Mais je leur faire entendre simplement la souffrance d'un gamin, quoi. Quand on évoque des faits comme on le fait en ce moment, bon, on est dans l'abstraction. Les mots saignent pas. Hein. Et ce que je voulais, c'est qu'il y ait cette incarnation verbale, quoi, que les jurés se rendent compte de ce qu'il avait souffert. Et ils s'en sont rendus compte. Ce fut l'un des moments forts de ce procès, l'arrivée dans la salle d'audience du jeune Alexandre. Il a grandi, il va bientôt avoir 17 ans. Accompagné de sa mère, l'adolescent apparaît un peu intimidé. Il sait que ce procès sera une étape douloureuse pour lui. Il raconte tout simplement, bah, aujourd'hui j'ai tout le temps peur, je fais des cauchemars toutes les nuits.
Dès que je vois des gens dans la rue un peu musclés ou quoi, j'ai peur qu'on me fasse du mal. Mais c'est surtout Corentin, son petit frère, qui bouleverse la cour d'assises. Le rapt auquel il a assisté l'a traumatisé. Il va raconter comment, à l'âge de 9 ans, il a vécu ça avec ses yeux d'enfant. Il va expliquer que la violence qu'il a subie, lui et sa famille. Quand les ravisseurs sont entrés, comment ils ont bâillonné sa maman, sa grand-mère, comment ils ont frappé son oncle. Et lui, il raconte comment il a essayé de défendre son grand frère. En criant « Alexandre, sauve-toi !» Il raconte qu'il le tient par la jambe et il a des adultes face à lui qui tirent plus fort et qui emmènent son frère. Puis il va essayer d'attraper un des ravisseurs. Et puis on va le pousser sous la table. Et puis là, il va se recroqueviller, il va se mettre à pleurer. Et quand tout le monde écoute ça dans la salle d'audience, tout le monde est saisi par ce qu'a vécu ce petit garçon. Le récit du petit frère émeut même le gourou Julien Overbar. Julien Overbar va se lever et va dire aujourd'hui je comprends que j'ai fait du mal à Alexandre, j'ai fait du mal à Corentin, j'ai fait du mal à toute cette famille et je leur demande pardon. Maître Normand, votre client a demandé pardon à Alexandre et à sa famille. C'est vous qui lui avez soufflé de le faire ? Alors, je vais vous dire, il n'a pas demandé pardon à Alexandre et sa famille, il a demandé pardon, et ça a été un point important dans le procès, il a demandé pardon à Corentin, le petit gamin, le petit frère. Il n'a jamais demandé pardon à Alexandre. Je pense qu'il s'était expliqué déjà avec Alexandre pendant l'enlèvement, mais Verbar, à ce procès-là, il ne fait pas que s'excuser auprès de Corentin, il commence à dire « L'ordre de Saint-Charbel m'a eu, m'a trompé, je ne crois pas en tout ça, je ne crois plus en tout ça. » Il renie la secte. Il renie la secte, oui, il renie la secte. Mais ça, c'était un long processus aussi entre un avocat et son client. Moi, je m'en suis pris à toute la secte au procès de l'enlèvement. À toute la secte, à tout ce processus. En défendant, parce que celui que je défendais, c'était Julien Overbar. C'était pas le petit Lys, Monseigneur, et que sais-je encore. Et c'était, encore une fois, une stratégie peut-être risquée, mais il faut sortir de là. C'était tuer le petit Lys d'amour, la stratégie. Faire ressortir Julien Overbar. Un gamin. Et vous l'avez tué ? J'espère qu'on l'a tué. J'espère qu'il ne renaîtra pas de ses cendres, qu'il n'y aura pas de résurrection. J'espère, oui. Les arguments de la défense portent, tout au moins auprès de la cour et de la presse. Moi, je ne l'ai jamais vu comme un donneur d'ordre. Alors peut-être que c'est une stratégie de la défense qui était très bien faite, mais je ne le voyais pas comme... Je le voyais comme... Ouais, une sorte de... évêque de pacotille. Les avocats de la famille d'Alexandre, eux, restent plus sceptiques sur la perte d'influence du gourou. On voit une des membres de la secte embrasser sa main au moment où les uns et les autres sont en train de quitter le box. C'était quelque chose, là aussi, d'un petit peu surréaliste, mais en tout cas, qui était très révélateur de l'emprise qu'il conservait sur les adeptes. Au terme des débats, les accusés écopent de peines plus faibles que celles qui ont été requises. 3 à 8 ans pour les complices, 9 ans pour Verbar et son amant. Il est satisfait. Il est satisfait. Il craignait d'avoir une peine symbolique, une peine exemplaire, pour dire encore Giuliano, le diable est mort. Là, il sent qu'une justice est passée et la peine, 9 ans, il estime qu'il la mérite. Encore 9 ans. Et ce n'est pas fini. Reste à juger tous ceux qui ont pris part à l'évasion. Cette fois, Guillaume Maillot, l'apprenti prêtre, n'échappe pas à la prison, il prend 10 ans. Giuliano Verbar et Fabrice Michel, eux, écopent de 13 ans, ce qui fait pour Petit Lys d'amour un total de 32 ans de réclusion criminelle. Quasiment une vie à passer derrière les barreaux.